Vous écoutez le podcast Devenir écrivain par Florana et Amélie Séastier, épisode 16. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question que Fabiola nous a posée par email. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à nous contacter pour parler des sujets qui vous intéressent. Nous les aborderons dans la mesure du possible dans les podcasts. Donc elle est curieuse de savoir comment se déroule le processus d'écriture à quatre mains. Et donc, dans son email, elle mentionne Amélie Séastier et Marie Matthews qui ont l'habitude d'écrire ensemble. Et ça tombe bien, puisqu'Amélie est avec moi pour cet épisode. Donc j'écris moi-même avec une co-autrice, Jacinthe Canet. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord vous parler de notre processus d'écriture. On va répondre à des petites questions pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne, en tout cas avec nous. Donc du coup, ben Fleur, pourquoi écrire à quatre mains ? Alors pour Jacinthe et moi, c'est venu au départ, on trouvait qu'on avait pas mal de points communs dans plusieurs de nos romans. Et on s'est dit que finalement on était bien sur la même longueur d'onde. Et c'est vrai que comme on était amis, c'est venu un petit peu naturellement, c'était la suite logique. Je pense que souvent quand tu es très proche d'une autre autrice ou d'un autre auteur, ça, à un moment donné tu vas forcément discuter, échanger et avoir une idée de roman avec cette personne. Et du coup, comme l'idée elle est commune, bah, ça paraît logique. Un point en commun, un sujet en commun. Et... voilà, bon, c'est comme ça que nous en tout cas on a démarré notre écriture à quatre mains. Mais il me semble que c'est un petit peu différent pour Marie et toi. Tout en étant un peu similaire. Ouais. En fait nous on a commencé à écrire en écrivant de la fanfiction. Donc en fait il y avait déjà un univers d'établi tout ça. Mm. Donc c'était juste en fait découvrir comment on pouvait écrire un roman à deux, avec un univers déjà créé. Et c'est au bout de quelques on s'est dit mais maintenant qu'on gère d'écrire à deux, pourquoi on se lancerait pas dans l'écriture de notre propre roman ? Et on s'est lancé comme ça. Toi comme moi, je pense qu'on va être d'accord pour dire que ça nous semble pas possible d'écrire à quatre mains avec quelqu'un soit qu'on connaît pas, soit de qui on n'est pas proche. Je pense qu'il faut une cohérence au niveau du style. Même si chacune a son style, il faut qu'ils aillent bien ensemble. Si on sent trop la différence dans le sens où t'as vraiment l'impression de lire deux genres différents dans le même roman, ça doit être bizarre. Ouais. Alors... Comment vous préparez le travail d'écriture, Marie et toi ? Donc avec Marie, quand on décide d'écrire un roman ensemble, donc déjà on en parle, par exemple on va avoir une idée, on se dit bon bah on va écrire le prochain roman, ce sera sur ce thème-là. Ensuite nous on s'appelle et on discute de tous les points qu'on aimerait aborder dans ce roman. Une fois qu'on a monté toute la trame, on discute un peu des personnages. Et on se répartit un personnage chacune. Nous, on écrit des histoires à deux, c'est de deux points de vue, le point de vue des deux héros. Donc Marie en a un, j'en ai un. Et en fait, on va travailler la personnalité des héros avec des fiches de personnages. Ouais. Et ensuite, on se les échange. On n'en parle pas. En fait, il faut vraiment qu'on ait la découverte. C'est comme si on rencontrait le personnage de l'autre. Et une fois que la trame est faite, les fiches personnages sont écrites, on se lance. On écrit un chapitre chacune. Donc, par exemple, souvent, c'est moi qui commence, je fais toujours le premier, ouais. Et je fais toujours l'épilogue, très très souvent. En fait, vous avez vos petits rituels, c'est quoi. Ça, c'est exactement ça, on a nos rituels. Et une fois que c'est parti, ben, j'écris mon chapitre, je lui envoie, Marie, elle me donne son avis, s'il faut changer des choses, et ensuite, elle réenchérit, et c'est ainsi de suite jusqu'à la fin. Et c'est une source de motivation incroyable. Et donc toi, du coup, avec Jacinthe ? Alors, ben, c'est un petit peu le même principe, hein, le travail préparatoire avec Jacinthe, c'est que d'abord, on va beaucoup discuter par chat de l'idée, on va déblayer, tu vois, si on faisait comme ci, si on faisait comme ça, enfin voilà. Et une fois qu'on a établi comme ça, on va dire, le squelette de l'histoire, on va aussi se téléphoner ou se voir, quand on a la possibilité de se voir. Et on va discuter plus en détail. Et, donc après, la différence de Marie et toi, nous, on fait pas spécialement des fiches de personnages très détaillées. Et on va mettre juste l'essentiel, toi, donc le nom, le prénom, l'âge, si on a une photo d'inspiration pour que l'autre elle se situe bien physiquement à quoi le héros ressemble. Mais après, le reste c'est pareil puisqu'on choisit chacune, enfin on a chacune notre personnage et on va faire un chapitre chacune, donc on alternance des points de vue dans l'histoire. Et pareil, on va s'envoyer, nous on n'a pas de rituel sur qui commence, je pense que ça va être c'est un petit peu bouclier humain. Allez vas-y démarre, c'est toujours un peu... Très compliqué de commencer une histoire au final. Surtout à deux, parce que tu te dis, du coup elle va prendre la suite, faut pas que je me plante quoi. Il faut aussi lui donner envie de commencer, parce que ça va être son premier chapitre. Et bah oui finalement, c'est un peu comme si t'avais deux débuts de roman quoi. Et deux fins. Par exemple, Jacinthe commence, elle va écrire son chapitre, elle va me l'envoyer.
Donc nous, on travaille, vous pareil, je pense, on travaille sur Word. Oui, Word. Et puis voilà, on s'échange un fichier, on travaille sur le même fichier du début à la fin. Ah non, on fonctionne pas comme ça. Ah, alors. On écrit chaque chapitre est séparé dans un document Word différent. D'accord. Donc en fait, sur notre PC, on a par exemple l'histoire Whispered Review, tome 1, et on a tous les chapitres de 1 à 30. Et on a un dernier fichier où ça s'appelle par exemple Whispered en entier, où on copie-colle tous D'accord. les chapitres corrigés dans un seul et même doc. Ah oui, non, moi je peux pas faire ça parce que c'est sûr que je vais me tromper. Ah, d'accord. Dans les versions du fichier. On va travailler sur un seul fichier et on va. Et du coup, on travaille avec le mode révision, donc ça, vous aussi, je pense, pour ouais. les corrections. Et tu le stockes sur Google Drive ou un truc comme ça pour avoir toujours le même fichier ou vous le renvoyez? Non, on se le renvoie. On d'accord. se renvoie toujours le même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y en a une des deux qui a le fichier, l'autre n'y touche plus. Ok, oui, c'est. Donc pour être sûr vraiment qu'on a toujours la même version. Donc elle va m'envoyer son chapitre, je vais le relire, je vais noter direct les répétitions. Si je vois des fautes, je les corrige tout de suite. Donc tout en mode révision pour que l'autre elle le voit. Et si jamais il y a des dialogues, des actions de mon personnage que je trouve sont pas tout à fait adéquates à ce que moi je lui aurais fait faire, je fais des propositions de changement, de modification de dialogue. Et puis s'il y a quelque chose qui me convient pas spécialement, parce qu'en fait on fait pas de plan détaillé. D'accord. Donc je vais lui faire une proposition pour faire autre chose, etc. Ensuite, j'écris mon chapitre derrière. Et à ce moment-là, je lui renvoie. Avec les corrections. Voilà, elle prend connaissance de mes corrections, elle valide, elle valide pas ce qui l'intéresse, et elle corrige le mien. D'accord, voilà. Nous c'est vrai que quand on envoie chapitre par chapitre, une fois que l'autre écrit son chapitre et attend le retour de sa co-auteur, on en discute tout de suite de s'il faut changer des choses ou pas. Mais tout le travail de révision, correction, répétition, on le fait une fois que le manuscrit est terminé. On revient jamais dessus, parce que je pense que sinon on n'arrêterait jamais de corriger. Mmh. C'est une fois que le manuscrit est bouclé, on se dit bon maintenant là on fait le travail ingrat, entre guillemets, à chasser toutes les répétitions, nos petits détails. C'est-à-dire que nous on le refait quand même à la fin. Oui c'est sûr, mais c'est vrai que moi je me dis si on devait c'est faire à chaque peine, fois. Ouais. Ouais. Tu vois quand moi je découvre un chapitre de Marie, je me mets dans la peau d'une lectrice, certes l'auteur, mais le premier jet que je lis, je les lis toujours deux fois ces chapitres quand elle me les envoie. Ouais. Le premier jet c'est la lectrice pure et après c'est l'auteur. D'accord. Voir comment. Ah, comment non, mais c'est intéressant aussi parce que du coup t'as la première version, comme c'est pas toi qui l'as écrit, bah tu peux te mettre en mode lectrice. C'est ça. Et après tu dis bon ok, on arrête d'enfiler des perles maintenant. Allez on, hop. On travaille. Non mais c'est intéressant aussi. Tout à fait, ouais. Donc du coup, ouais, les corrections, vous c'est plutôt à la fin et nous c'est en cours de travail et aussi à la fin, parce que de toute façon... On est obligé. C'est ça. Qu'est-ce que tu penses du rythme de travail avec une co-auteure ? Alors, c'est très stimulant de bosser avec une co-auteure. Après, il faut savoir s'organiser. Avec Marie, nous, on écrit toujours trois histoires en même temps. C'est-à-dire une séparément, donc moi toute seule, Marie toute seule, et une en commun. Et c'est vrai que quand on n'a pas notre histoire en commun, on peut écrire notre histoire toute seule. Ça permet de stimuler, d'aller vite. Alors, il faut s'adapter, il faut avoir un certain planning. Donc Marie est plus cool là-dessus, c'est moi qui suis en mode ingénieur, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Ça détend en fait, je sais pas toi, mais moi je trouve que le rythme, est... on va plus vite, on a l'impression qu'un roman avance mais plus gratifiant. Plus vite. Ouais, ouais, c'est plus gratifiant, enfin gratifiant, t'as un résultat plus rapide parce que le roman te prend à toi deux fois moins de temps. C'est ça, je sais pas combien on fait de chapitres, mais nous généralement on part sur 30 chapitres. C'est ça, à peu et donc près, en fait ça fait 15 chapitres, tu dis, oh mon dieu, moi j'en fais 30 toute seule, j'en ai 15 ans moins à faire, c'est génial. Bah ouais, ça va super vite du coup pour toi. Finalement, t'as l'impression d'être Wonder Woman un méga peu, productive, c'est-à-dire par exemple, si on met 3 mois pour écrire un roman, que ça soit en duo ou en solo, bah en 3 mois on a écrit 2. Bah c'est ça. Et en plus, on a partagé une expérience géniale avec son ami et sa co-auteur, et on se dit, bon bah, à quand le prochain? Ouais, c'est ça en fait. T'as envie de passer au prochain. Mais bon, ok, c'est génial, c'est nos amis, on sait qu'il faut toujours... nous, on pense qu'il faut travailler avec des personnes avec qui on est très proches, on s'entend bien, avec qui on a des valeurs communes, etc. C'est très important. Mais n'empêche, il y a quand même des désaccords. Et oui, et des concessions. Quels sont tes désaccords et tes concessions Alors nous, on marche vachement au veto, tu vois, dans les commentaires, elle va me mettre veto, genre ce mot, non, tu peux pas l'utiliser, c'est un mot que je supporte pas, enfin... Ou cette expression, ou cette action, pourquoi tu lui fais faire ça? Donc on a le droit à des vétos. Bon, on ne s'est jamais fixé de maximum, mais si l'autre nous met veto, on sait que c'est important à ses yeux, donc on va faire la concession de modifier ce qu'on a fait, et de mettre un autre terme, etc. Sinon, on n'a jamais eu de gros désaccords, mais je pense que ça tient beaucoup au fait qu'on en discute, comme c'est ton ami. Oui. Le dialogue est instauré, il n'y a pas de langue de bois, on en parle, on essaye de convaincre l'autre, c'est une discussion quoi, vraiment. Soit on arrive à la convaincre, soit il y en a une des deux qui se dit, bon, je lâche l'affaire pour ça, c'est pas de toute façon, c'est jamais dramatique. Tout à fait. Je lâche l'affaire pour ça, et puis le prochain coup, ce sera moi qui aurai gain de cause quoi. Mais en général,
Enfin, nous, ça s'est jamais terminé en autre boudin, en tout cas. Non, nous non plus. Nous non plus. Et là, par exemple, Jacinthe me mettrait un veto pour autre boudin. Ah. On pense à toi, Jacinthe. Bah, avec Marie, nous, on est un peu comme un vieux couple, en fait. Donc, oui, on a des désaccords et des concessions. On n'a jamais eu de gros trucs. On s'est dit, non, ça va pas passer. Genre, parce que quand quelqu'un propose un projet et que ça ne lui plaît pas, bon, bah, c'est pas grave. Bah, soit tu le fais toute seule, soit on le fait pas, mais c'est toujours dans le respect de l'autre, en fait, de ses idées et tout ça. Et alors, pour les petites anecdotes, au niveau désaccord et concession, on n'est jamais d'accord avec Marie, mais peut-être ça a dû arriver une ou deux fois sur les prénoms. Donc pour nous, c'est un détail, ça nous fait rire, c'est devenu un jeu. Ouais. C'est presque, quel est le prénom le plus extraordinaire ou moche que je vais lui proposer, ouais. Et je lui dis, bon, on va écrire là-dessus. Pour un nouveau bouquin, la petite anecdote récente, c'est, elle choisit un personnage qu'elle va appeler Abraham. Moi, je dis, c'est joli, mais non, je le voyais pas dans ce livre-là. Elle me dit, non, je choisis Abraham. Ok, je cherche, je dis, bah, il s'appellera Lincoln, comme le président américain. Et du coup, bah, le tien, du coup. Ouais, voilà. Le mien, du coup, donc ça fait Abraham Lincoln. Mais c'est devenu une force au roman, parce que tout le long, eh ben, on joue sur ça et, ouais, et c'est rigolo. On avait fait un détail, enfin, voilà, un élément du roman, alors c'est qu'au ça, début, c'était voilà. Pas prévu. Il y a vraiment que ça, je pense, les prénoms. De temps en temps, des fois, les couvertures, mais sinon, ouais, c'est surtout les prénoms de notre désaccord. Ouais. Donc, pas très grave au final. Non. Mais tu vois, un truc très drôle, c'est que les prénoms que Marie choisit, sur le moment, bah, je les imagine pas comme ça, enfin, ils me plaisent pas, entre guillemets, puis après, je les adore. Ouais, tu t'habitues. Maintenant, ça y est, déclaration. À côté, on va l'apprendre parce que je dis tout le temps non, je les aime pas, mais oui, je finis par les aimer et même les adorer. Ouais, bah, prochain prénom, elle va pas te louper. C'est ça. Elle me dira, tu finiras par les aimer. Exactement, voilà. Est-ce que tu veux que je coupe au montage? Non, tu peux le dire. Bon, après, on va aborder alors, nous, avec notre co-autrice, on a gardé nos noms d'auteurs. Donc toi, c'est Amélie Séastier et Marie Mathieuse, ou anciennement connues sous Amélie et Marie Rage. Et nous, ben, c'est voilà, Florana et Jacinthe Canet avant Jacinthe Nitouche. Mais on a remarqué qu'il y a d'autres équipes, on va dire, qui utilisent soit un pseudo, soit qui combinent leurs prénoms. Donc, est-ce que c'était une évidence pour toi que vous alliez pas prendre un pseudo unique ? Je pense que c'était ouais, une évidence parce qu'on est deux auteurs qui se réunissent pour écrire un roman. Pourquoi on devrait, entre guillemets, se faire passer pour un seul auteur ou un seul auteur alors qu'on est deux ? Donc, en fait, pour nous, c'était normal de joindre nos deux prénoms à une œuvre. On a vraiment... Je pense que la question s'est jamais posée de prendre un pseudonyme commun. C'était nos pseudos parce que on était deux. C'était déjà nos pseudos et en même temps, c'est intéressant dans le sens où, comme vous écrivez aussi, c'est livre chacune de votre côté, mais du coup, votre lectorat solo, on va dire, peut éventuellement venir à lire les livres coécrits. C'est alors ça. Que si vous n'aviez pas le même pseudonyme, voilà. Si c'était, je sais pas, par exemple, si c'était, si vous vous appeliez Amélie Marie, les gens devineraient pas forcément que Amélie Séastier, c'est la moitié de Amélie Marie, quoi. C'est dommage de couper son lectorat et de. Au niveau stratégique, c'est compliqué. Ouais. Pour que les lectrices, les lecteurs s'y retrouvent, c'est ça. Bon, nous, ça paraît exactement la même chose. Hein. On écrivait déjà en solo chacune de notre côté. On n'avait pas envie que les gens ne devinent pas que c'était nous. D'ailleurs, pour notre série à quatre mains, un éditeur voulait éventuellement nous la signer. Il fallait qu'on prenne un pseudo unique. Et nous, au départ, on s'était dit, bah voilà, on va faire ça. On va faire Jacinthe Anna ou Fleur Canet. Enfin, voilà, on essayait de mixer nos pseudos. Et quand on a proposé, l'éditrice vous a dit « Ah mais non, non, il faut un pseudo nouveau où on reconnaît pas que c'est vous. » Non, ça a aucun intérêt, je trouve. Bah, la raison, c'était soi-disant pour pas que les libraires s'y perdent. Mais moi, je pense qu'au bout d'un moment, on les prend un peu pour des neuneux parce qu'ils sont pas abrutis. Ils voient bien qu'il y a deux noms d'auteurs sur un livre. Oui, ils voient bien qu'elles écrivent aussi chacune de leur côté. Enfin, quel est le problème ? Les auteurs ont le droit de coécrire. En gros, ça veut presque dire quand un duo coécrit, il faudrait le faire passer pour un seul auteur, que ça serait plus simple. Alors que oui, non. Un peu plus tard, on va vous parler de ces autres auteurs qui, elles, des autrices pour le coup, ont choisi d'avoir un pseudo unique. Amélie, est-ce que tu veux qu'on aborde le sujet important, la rémunération ? Bah oui, de toute façon, il faut qu'on en parle. Moi, je ne peux pas trop en parler parce qu'on a toujours été, du coup, en auto-édition ou dans la maison d'édition qu'on gérait nous. Donc, c'était hyper simple à gérer pour... c'était 50... On partage 50-50, mais de nous-mêmes à nous-mêmes, quoi. Oui. Et toi qui as fait l'expérience avec Marie en maison d'édition, comment ça se passe ? Alors, en maison d'édition, quand on signe un contrat à deux, en fait, c'est simple. En fait, on signe le contrat... Il y a trois signatures en bas de page, celle des deux auteurs et du patron de la maison d'édition ou de l'éditeur. Et pour se rémunérer, par exemple, je vais donner un exemple, si la valoir est de 3 000 euros,
pour le livre, c'est pas 3000 euros par auteur, c'est 3000 euros qu'on divise en deux. Donc ça, c'est pour le système de rémunération en maison d'édition. Pareil pour les royalties. C'est pareil, si c'est 8%, c'est 4% mari, 4% moi. Et en auto-édition, c'est pareil, c'est 50-50 le revenu. Alors on va juste mentionner d'autres auteurs qu'on connaît qui écrivent à deux, qu'on connaît personnellement ou pas. On va commencer par des américaines. On va commencer avec Christina Loren. Qui sont très connues. Donc, elles, pour le coup, au niveau du pseudo, elles ont choisi... Enfin, c'est leurs deux prénoms à coller, quoi, en fait. Donc là, actuellement, en français, elles sont publiées chez Hugo New Romance. Et elles sont connues, elles ont démarré bien en France avec leur série Beautiful. Et il me semble que le plus récent, c'est Autobiographie. Mais je suis pas sûre. En tout cas, il est génial. Quoi qu'il arrive, il est génial. Jenna, notre super réalisatrice, vous mettra le lien dans la description du podcast. Voilà, j'ai lu une interview où elles expliquaient qu'en fait, elles ont tellement de travail que parfois, il y en a une qui va gérer les corrections sur un texte, alors que l'autre, elle démarre un nouveau projet. Et puis après, elles échangent. Et ça, c'est une façon de travailler. Enfin, c'est assez incroyable. Nous, on n'a jamais écrit assez de romans avec Jacinthe pour arriver à ce stade où on a tellement de boulot qu'on ne sait pas gérer. Mais est-ce que tu saurais travailler comme ça avec Marie? Non, je pense qu'on a établi un rythme qui nous convient. Et même s'il faut prendre plus de temps pour écrire un projet, je pense qu'on ne voudrait pas changer notre rythme. Et on a, alors, dans cette liste d'autres co-auteurs, il y a deux autres auteurs qui écrivent en anglais. C'est Vauglaine et Lafranc qui écrivent séparément et ensemble. Donc Ella Frank est connue pour sa série Tentation qui est publiée chez J'ai lu, et Brooke Blaine et Ella ont sorti une série chez MSN Bookmark Presslock. J'avais assisté, alors je m'en rappelle plus si c'était vraiment une interview ou une conférence, mais je sais que elles avaient dit, Ella et Brooke, que quand elles co-écrivaient, elles étaient en direct. En fait, elles faisaient une partage d'écran où l'une écrivait. Donc elle écrivait son passage pendant que l'autre regardait, et elles échangeaient. Donc par exemple, si Ella écrit, Brooke a une idée, elle dit « Ah bah tu pourrais mettre ça », et Brooke s'exécutait, ou Ella vice versa. Donc en fait c'était très dynamique, et c'était la première fois que j'entendais que des co-auteurs travaillaient ainsi. C'est dingue hein, quand même, comment ça travaille. Tu dis... Parce que je sais que sur Google Drive par exemple, tu vois ce que l'autre il fait en direct. Et ça fait bizarre. Moi, ça me stresserait. Hein. Moi j'ai quand même besoin, moi c'est pour ça que je peux pas écrire sur plateforme par exemple, c'est parce que j'ai besoin de toute seule relire mon texte, le retravailler, etc. Et quand je sens qu'il est prêt, je l'envoie, je le montre. Avant ça, je peux pas. Donc en direct, ça met la pression. Je pense qu'il y aurait une pression de voir l'autre en train d'écrire. Genre si par exemple j'ai envie d'écrire ce mot-là, que 10 minutes plus tard il me convient plus, ou de revenir. Je sais pas, ça ferait bizarre. Mais j'admire en tout cas, parce que je trouve que c'est... ça doit être une belle expérience. Du coup, l'écriture n'est plus seule. Ça fait Là complètement, ouais, tout à fait. Et donc on vous a cité deux binômes, et ça rebondit un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les pseudos, puisque Christina Loren, elles écrivent surtout à deux, donc elles ont pris un pseudo unique, alors que Brooke Blaine et Ella Frank, c'est ce qu'on disait, elles écrivent chacune de leur côté, et ensemble. On va terminer avec un duo d'autrices françaises qu'on aime beaucoup, et qui ont accepté de répondre à nos questions pour vous donner un témoignage supplémentaire. Donc il s'agit... celles qu'on dit Les et Magrine, puisque du coup elles ont un pseudo unique, mais elles sont deux. Elles sont publiées aux éditions Addictives. Donc par exemple, leur dernier roman, au moment où on enregistre le podcast, c'est The Boy Next Room, qui est sorti en octobre 2019. Et le prochain sera disponible en janvier 2020. Du coup, les filles nous ont expliqué que l'essentiel du travail quatre mains, les concernant, se passe avant l'écriture, à proprement parler, ensemble, en présence l'une de l'autre. Elles créent les personnages, imaginent le contexte, détaille les scènes au maximum utilisant la chronologie des événements et prépare leur intrigue. Tout le travail en amont leur permet de se mettre d'accord sur tout ce qu'elles vont développer dans le roman et ne pas avoir d'incohérence, surtout. Elles nous ont aussi dit que lorsqu'elles attaquent l'écriture même, elles s'occupent chacune d'un chapitre, elles se les envoient une fois seulement qu'ils sont aboutis. L'autre va relire, corriger, faire des suggestions, enrichir le chapitre reçu, et elle va enchaîner avec le sien. Finalement, de la même manière... C'est un peu comme nous, oui. Voilà, qu'on travaille. En général, elles travaillent chacune chez elles. Mais comme elles ont la chance d'être proches au niveau géographique, ça leur arrive d'écrire dans le même bureau. Ah, elles ont de la chance. Bah ouais, c'est pratique, c'est motivant, mais quand même, elles nous précisent que la plupart du temps, elles aiment bien être seules dans leur tête, et elles préfèrent écrire en solitaire. C'est un peu une sorte de coworking version co-auteur. Exactement, mais ça tombe bien, puisque bientôt, il se peut qu'il y ait un sujet sur le coworking. Tout à fait. Restez connectés. Et donc, je vais vous terminer leur témoignage avec la citation donc, de l'une des deux. Donc, comme c'est un mystère, on ne sait pas comment elle s'appelle, ce sera une des deux, Emma Green.
Donc qui nous dit, et c'est joli pour terminer le podcast, je trouve, elle nous dit « L'écriture à quatre mains, c'est un mélange savamment dosé de partage et de solitude, d'énergie créatrice et d'inspiration personnelle à mettre au service d'un autre cerveau et d'un autre imaginaire que le sien. C'est une expérience tellement riche qu'on ne changerait ça pour rien au monde. » Et on est totalement d'accord. On valide complètement. Voilà, donc on espère avoir répondu à la question de Fabiola, et puis on espère aussi que vous, ça vous intéressait. Et n'hésitez pas, si jamais vous êtes auteur et ami avec une auteure, à identifier si vous pensez que vous pourriez coécrire avec. C'est vrai, c'est pas mal ça. Hein. Peut-être que en fait, vous avez un best-seller qui vous attend et vous ne le savez pas. Donc n'hésitez pas à identifier votre possible prochaine co-auteur. Surtout que ça peut être hyper motivant pour terminer un projet. Tout à fait. Donc surtout, n'hésitez pas à liker, mettre une note sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast. À partager. Voilà, partager, ajouter à vos favoris, parlez-en aux autres auteurs autour de vous. Et puis, on vous remercie et on vous dit à bientôt. À bientôt. Vous voulez devenir écrivain ? Téléchargez sans plus attendre le guide écrivain mode d'emploi sur le site licares.fr. LICARES.fr. Ce guide vous donne les 4 étapes fondamentales pour progresser vers l'écriture.